Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de qui l'a regardé vidéo ça. Je dis à vous pour qu'on ait 10 pays dans le monde là côté au parler créole. N'a pas rappelé ou si vous vous abonnez sur channel là, faites ça kounia et activez la cloche notification pour qu'à toujours informé les gens en vidéo qui sorti. Suivez bien, nous allons commencer. Haïti. Constitution dans le pays Haïti fait qu'on ait deux langues officielles dans le pays. Français avec créole. Jusqu'à présent, un pile moun a posé cette question, est-ce que c'est vrai? 100% haïtiens parlent créole. Et au fait, nous connaissons, d'après recherche que nous faisons, c'est 8% haïtiens seulement qui parlent français. Pas oublier, Haïti était colonisé par Espagne, après ça, la France. Indiens ont créé la langue ça pour être capable de mettre blanc dehors dans le pays. C'est ça que fait créole haïtien, c'est un créole à base de français. Mais ou avez un pile mot qui vient originaux dans espagnol et puis anglais à tout parce que américain te fait petit coup de palto. Sainte-Lucie, 620 km², 187 768 moun, capitale Castries. C'est celle état dans monde là qui porte un nom femme. 81% moun qui vivent dans pays ça t'est sorti en Afrique. Pays ça a été dirigé avant ça par la France, mais en 1814, c'est Royaume-Uni qui devine prendre contrôle là. Bref, nous pas faire trop histoire. Anglais c'est langue officielle pays ça. Mais yo fait nous connaître plus passé 75% monde dans pays ça qui parle un créole à base de français parce que yo été colonisé par la France. Dominique ou bien yo connaît la Dominique. 754 km², 74 027 moun, capitale pays ça, c'est Ozo. C'est une île qui était peuplée par Indiens, précisément les Arawaks. C'était un dimanche 3 novembre 1493, dans le deuxième voyage Christophe Colomb, il était débarqué dans cette île. Après ça, il était bal pour nom Domingo, qui signifie dimanche dans la langue espagnole. Après la guerre de 30 ans, dans l'année 1625, Français ont été débarqués et ont pris le contrôle de ces îles. Après ça, l'Angleterre a fait coup de pal tout. C'est juste dans l'année 1956 que ces îles ont réussi à aller en souffle en bas gros tonton pays. Mais c'est dans l'année 1978, après 485 l'année, ils ont découvert là, c'est là ça ont reconnaître les libres tout bon. Même si la langue officielle des îles ça c'est anglais, 80% moun nan pays ça parle créole, créole dominicain, yon créole à base de français. 1865 km², 1 265 000 moun les trouvent dans l'océan Indien. Ces îles ça y aurait l'île Maurice. Première nation qui est arrivée dans ces îles ça c'était portugais dans l'année 1500 à 1513. Yo t'ai relé ces îles ça Sydney. C'était notre premier bateau qui est arrivé dans ces îles là. Pour que gen monde qui t'a vivre là-dedans. J'y suis arrivé dans l'année 1598, yon paquet hollandais t'est débarqué dans ces îles ça. Après, îles là t'est vinn colonisé par la France dans l'année 1715. Rivé 1810, après ça, anglais ont venu prendre contrôle là. Jusqu'à ce qu'ils aient pris liberté dans l'année 1968, jour qui était 12 mars là. Bref, nous ne pouvons pas faire trop d'histoire. Ils ont fait nous connaître, ces îles ça, ils parlent une langue officielle. Ils ont parlé anglais, français, créole mauricien et puis 6 autres langues asiatiques encore. Seychelles. 455 km², 95 981 moun, capitale Victoria. Premier moun qui était débarqué dans ces îles, c'était Arabio. Mais premier compte-rendu a été écrit dans l'année 1501 par un portugais qui relait Vasco de Gama. Il était relé ces îles et Milantes. Ces îles trouvées entre Afrique et Asie. Dans l'année 1743, la France te vin prend contrôle ti zile sa. Yo te changé nom, yo te relé Mahé. Dans l'année 1814, Royaume-Uni te vin faire coup de pal tout. Bref, nous pas faire trop histoire. Mais n'a pas dit c'est juste dans l'année 1976, 29 juin jou ça, yo te réussi prend liberté yo en bas main gros autobré sa yo. Zile sa li gagné 4 langues officielles. Créole seychellois, créole mauricien, anglais et puis français. 97% moun nan zile sa parle créole seychellois. Guadeloupe, 1709 km²,
458 000 mounes, Zile sa te jwen non sa, 4 novembre 1493 par Christophe Colomb, pour te rendre hommage à Vierge protectrice des navigateurs Notre-Dame de Guadeloupe. Zile sa te en bas contrôle espagnol yo pendant environ 130 l'année, juste pour arriver 1635. Depuis après l'ESA, c'est la France qui te prend contrôle Zile sa jounen jodi a. Malgré Angleterre te fait petit coup de palto dans l'année 1759 rive 1763. Langue officielle yo c'est français, mais en pile là dans yo parle en créole entier. Yo considéré créole là comme une langue régionale, une langue ancienne qui prend naissance dans plusieurs autres langues tant qu'ou anglais, espagnol et puis en paquet l'autre langue africaine. 83 850 km², 296 711 moun, Guyane française. Non ça sorti dans langue amérindien yo, Guyana, qui veut dire terre d'eau abondante. Français ont débarqué dans zile ça dans l'année 1503, mais c'est dans l'année 1643 yo te rete fait temps dans zile ça. Dans l'année 1946, yo pas considéré comme colonie encore, li vinn yon département français. Langue officielle tizile sa c'est français, mais deuxième langue qui plus parlé dans pays a c'est un créole guyanais. Tizile sa selon histoire li yo parlé en pile l'autre langue là-dedans, tant qu'ou anglais, portugais, chinois, espagnol, russe et latrier. Martinique, 1128 km², 372 594 moun. Pendant le quatrième voyage Christophe Colomb dans l'année 1502, c'est le premier Européen qui met pied dans Zile ça. C'est dans l'année 1635 que la France a colonisé Zile ça par Pierre Belin. Français c'est la langue officielle Zile ça, mais la majorité des gens dans Zile ça parlent créole. Un créole mélangé qui sorti dans un pile d'autres langues, tant que français, anglais, espagnol et langue africaine tout. Trinidad et Tobago, 5128 km², 1 208 789 moun, capitale Port d'Espagne. 700 l'année avant Christophe Colomb est arrivé dans Zile ça, c'était moun Arawak qui t'a vive dans Zile ça. C'est dans l'année 1498, dans le troisième voyage Christophe Colomb, il était débarqué dans Zile ya. 1532, royaume de Castille est venu prendre contrôle là. Quelques temps après, soit dans l'année 1672 pour arriver dans l'année 1678, la France est venue prendre contrôle Zile ça. Trinidad est en bas contrôle Espagne et Tobago est en bas contrôle Hollandais. Bref, nous pas faire trop histoire. Mais dans l'année 1797, Angleterre est venue prendre contrôle là. Arrivé dans l'année 1962, jour 31 août là, yo te prend indépendance yo. Langue officielle yo c'est anglais, mais c'est créole tobagodien et créole trinidadien qui plus parlé dans Zile ça. Créole à base d'anglais. 110 km², 38 000 moun, Rodrigue. C'est pipiti Zile dans l'archipel de Mascareignes. Il fait partie des îles Maurice là, mais depuis 12 octobre 2002, il est autonome. Ça veut dire il gagne même histoire avec Zile Maurice là. Langue yo plus parlé dans Zile ça c'est créole Rodriguez. En pile nan yo parle français tout et gen un petit crasse moun qui parle anglais. Kounia ou konnen c'est pas seul Haïti dans monde lan qui parle créole, même si créole yo yon gens différents parce que nous presque gen même histoire avec Zile ça yo. Sous terre met vidéo a pas négliger cliquer sur petit pouce bleu a pour montrer nous ça. Et si vous ne pouvez pas abonner sur la chaîne, faites ça kounya et activez la cloche notification pour ne pas rater une vidéo qui vient pour sortir. Partagez-la avec les amis pour plus de monde capable de gagner information. Ciao!